Tout le monde veut faire des dictons pour dire. Oui. Hein? Premier en anglais, c'est une politicienne. Shake your hand before the election and your confidence afterwards. And, deuxièmement, elle ne fait qu'un rôle, elle nous dit, elle vient 500. So, ou qu'elle prend 200 000 du monde pour Hussein Bourik, comme une côté de la rivière. Mais, 100 000 du monde pas pour qu'elle, 1 million du monde pas pour qu'elle oublie de boire de l'eau. C'est ça, moi, tu retiens ça parce que ça reflète quelqu'un dans la prochaine élection. Merci beaucoup pour le partage. Tu pas donc, ravi nous payer. C'est une grande souris à la visiblement, puis porte à Saint-Signine, ça. Oui, la sagesse populaire est toujours, toujours exacte. Est-ce que vous parlez de l'eau au Maman Gapen? Vous pensez qui, enfin, vous pas pour nécessairement partage la même façon de dire, parce qu'il y a quand même un certain respect envers l'être humain et que nous, en tant que l'individu même, on va dire en tant que co-religion, en tant que l'individu même, nous, c'est une valeur que nous vous inculquez davantage, c'est de respecter. Mais je comprends que le respect est encore de côtés, de sens, lorsque nous pas trouver un côté, donc nous, cas permettre nous dire différentes choses. Mais encore une fois, c'est de dire un peu qui. Et ben, du monde n'a pas réfléchi. Mais un des grands problèmes, peut-être, de Maurice, c'est que, peut-être aussi, c'est à cause de nos systèmes éducatifs. C'est qu'ils ne nous pas donnent l'occasion à nos bons enfants, à nous dire qu'il est à l'école même, aux bons jeunes, réfléchir. Et finalement, nous pouvons un citoyen qui peut suivre, simplement. Il peut suivre. Et nous avons l'habitude là, suivre sans réfléchir. C'est ça le côté, allons dire, qui est un peu malheureux. Mais d'autre part, moi personnellement, étant sur le terrain, étant avec les gens, étant avec choses, je dis fort et bien qui ben dimon, que ce Mauricien-là, il est assez intelligent, il est assez responsable et que il est capable de choisir lui. La personne là qui vient voter. Donc c'est pas la peine que nous cassons la tête pour influencer ça du monde là. Priti de quatre bandes, Priti, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Un petit commentaire, mais écoute, me permet de dire que même comme c'est nous dialogue mauricien, mais en tant qu'il nous reste dans Maurice, mais le mauricien, mais un socio-culturel, je vais en droit, vous venez mettre cette néné dans tout ça, faire quoi, ou un socio-culturel, ou faire même affaire. Culturel, socioculturel, comme où tu es dans le grand bassin, j'aime bien, fait des nations, ça c'est bien. La même président chinois, fait que Vin Maurice, j'avais arrêté dedans. Mais il m'a dit, je ne suis pas d'accord, mais quand socioculturel, il rentre là-dedans, je suis d'accord. Mais alors, mais ça veut dire, nous-mêmes, même Mauricien qui nous prend, nous, vous êtes un imbécile, vous écoutez vous tous les temps. Mais quand nous, vous prenez des décisions pour nous. C'est tout, merci, au revoir. Merci, Priti, donc, qui, finalement, la situation socioculturelle, il est cantonné au rôle. Initial qu'il est supposé jouer, non? Bien sûr, c'était une fonction tout à fait importante dans une société, dans la société culturelle, dans notre place et dans notre légitimité. Mais, comment ça auditrice t'a fait dire, dans une sphère bien précise, dans une sphère culturelle, dans une sphère religieuse pure, effectivement, une site qu'a grand bassin, c'est admirable. C'est admirable comment, tous les années, il y a plein d'organisations culturelles, pas nécessairement hindous, mot précise li, aide ban pèlerin, servi ban petit fruits, de l'eau, etc., ban pèlerin qui peut marcher. Là-bas même, il y a une organisation extrêmement bien menée, rondement menée, par ben, différentes organisations culturelles, qui permet de ban pèlerin reposer aux autres, ravitailler aux autres et retourner tranquillement. Li va là pour ban les autres fêtes, nous guette Père Laval qui arrivait, nous guette Cavedi, comment faire. Il y a une organisation extrêmement intéressante, extrêmement vivace, mais li tient correct, qui reste dans sa sphère religieuse, culturelle, de la langue, de la culture, des enseignements, etc., et qui se pas déborde dans le côté politique. C'est pour extrêmement correct, c'est toute l'association qui est capable de résister dans sa boundary là. Alors, Mme Gapin, nous d'accord, reste dans ce périmètre. Mais définitivement, c'est vrai. Et puis en même temps, pour rebondir sur ce qui au fait Rabin Pedia, c'est que nous trouvons de plus en plus cet élan de solidarité de différentes religions par rapport à pèlerinage ou quelle que soit l'activité. C'est quelque chose d'admirable. Ça a déjà montré la capacité
de ce peuple, la bonne volonté de ce peuple, le cœur aussi pur, enfin aussi rayonnant de ce peuple. C'est dommage que nous puissions vraiment mettre plein de poussière dans un lieu aussi propre. Alors là, du côté de Trigueulaire, c'est la côte Noména Archou en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir messieurs, mesdames, bonsoir les auditeurs. Ah oui, nous écoutons question. Bon, je fais un constat et en même temps, on a une question pour Radio One. Oui. Et depuis deux semaines, il paraît qu'il nomme le pic dangereux de l'île Maurice et Tom d'Altaman. La remontée au contraire de la radio, spécifiquement cette radio, il fait une attaque en permanence pour la personne qui représente quand même le président de Southern Tribal Federation qui représente quasiment 40% de la population. Oui, tout à fait, nous connaît. Right. Et qui fait depuis le point de vue, ce côté négatif, ou quand nous parlons du tout le côté positif de l'homme et du président. En tout cas, on vit bien au point, visiblement. De l'autre côté, voyons, mettons s'il peut faire la politique active, ou sur nom personnel, ou à such as le président, si... Allô? Oui, nous pas écoutons. Mais si la majorité des personnes qui décontent, qui se passent d'accord, qui se dire, ils sont les petits présidents. L'installation de l'entreprise qui me connaît, et l'association qui gérait démocratiquement, l'homme a été élu démocratiquement, alors pour trouver qu'il porte un jugement à lui, Alors, on va tenir à dire quand même, vu qu'il y a des radio One qui nous paye. Non, il va y avoir radio comme tous les autres. Voilà. Alors, non, on va tenir à dire qu'il nous paye la norme, rien contre le fait qui est de Doltamon, ni le président de la Sanat Andorma Temples Federation. Bien sûr, il finit démocratiquement, nous paye aucune objection. Mais, nos rôles, c'est aussi poser une question, et visiblement, si Lynn Pretli au jeu des questions-réponses sans aucun problème, et puis voilà, ben journaliste éventuellement pour rapport de fait et que pour analyse ce qui peut dire, ce qui pas peut dire. En tout cas, merci pour question Archou. Alors, Rabine, ou même une ville avec des trois, l'article de l'Express Côte Finenaban, différentes déclarations de Sam de Doltamon, c'est pas qu'il nous pourrait répine pour Italie. C'est pas du tout le but, mais nous revenons à la déclaration qui s'en met de mon affaire. Enfin, ben, sa interprétation, sa camarade là, extrêmement intéressant. Moi, certainement pas content de faire ça. Moi, la première fois, on peut faire ça. Moi, un vacot de rouge autour de mon poignet, qui pour beaucoup du monde, si guette-moi, je vous connais moins d'eux. Est-ce que M. Sam de Doltamon représente moi? Moi, pas au courant. Est-ce que M. Somdat Doltamon représente 40% de la population de l'île Maurice, qui fait un peu plus de 400 000 dimoun, 480 000 dimoun? Moi, pas croire, parce que si nous repensons qui veut dire la démocratie, bizarre qui tout ça 480 000 dimoun là, ils votent directement, ou bien ils votent ban dimoun pour aller voter Somdat Doltamon. Donc, quand M. Somdat Doltamon prend une position, l'IPA et prend une position au nom de 400 000 Mauriciens. C'est bien ça le point. C'est-à-dire, Van Dimoun qui peut prendre position au nom de Van Mauriciens se trouve dans l'Assemblée Maurice de 70 Dimoun, 70 députés appellent ça. C'est ça la démocratie. Somdat Doltamon, pas un député. Vu qu'il y a un député, Eli, nous capable de dire qu'il représente la population. Tant qu'il pas arrive ça, moi pas considère un dirigeant socioculturel qui est Somdat Doltamon, qui est n'importe qui s'en a, qui est Père Grégoire, qui est nos camarades de l'Union musulmane qui t'ont fait téléphoner tout à l'heure là, moi pas considère personne comme un représentant man mauricien, ce représentant une association. Point. Voilà donc ce qui est dit. Alors c'était là, nous avons notre appel du révérend Patrick Lutchmaya de Pointe au Sable. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos invités sur le plateau. Alors, on écoute aux questions rapidement parce qu'il nous arrive à la fin, malheureusement, de l'émission. Oui, mais voilà. Peut-être il fallait définir le terme religion. Il y a beaucoup de religions à Maurice. Il y a des autorités compétentes. L'Église catholique est représentée par l'évêché, Monseigneur Piat et ses acolytes. L'Église anglicane, Monseigneur Yann Hernès, etc. Mais moi, je pense qu'il y a des circonstances
où les autorités compétentes devraient faire entendre leur voix. Je parle en tant qu'un prêtre chrétien.